Le bureau de soutien au MPS Nouvelle Génération, à sa tête son coordonnateur national Abakar Tahir Youssouf, vient à la rencontre des jeunes de la commune du 9e arrondissement pour solliciter leur implication pour une transition apaisée. À travers une conférence débat qui a pour thème le rôle des intellectuels tchadiens dans le processus de la transition, le panel composé du député Mahamat Ibn Bichara et Asseid Brahim, chargé des sous-coordinations de ce bureau de soutien, a entretenu de long en large les jeunes de cette commune sur le rôle que doivent jouer les intellectuels pour la réussite de la transition. Pour les conférenciers, les intellectuels ont le devoir de sensibiliser et d'éduquer la jeunesse afin qu'elle épouse la culture de la paix, de la tolérance et surtout à respecter les institutions de la République en cette période de transition. Les panélistes d'ajouter que les intellectuels ont cette responsabilité de véhiculer le message de paix et d'apaisement dans leurs milieux respectifs. Le coordonnateur national du bureau de soutien au MPS Nouvelle Génération, Abakar Tahir Youssouf, a salué le degré de patriotisme des jeunes de la commune du 9e arrondissement. Abakar Tahir Youssouf a par ailleurs exhorté les jeunes de la commune du 9e arrondissement à soutenir sans faille le conseil militaire de transition à sa tête le général des corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, grâce à qui le pays est resté stable. Les jeunes de la commune du 9e arrondissement et le maire de cette commune ont saluer cette initiative du bureau de soutien au MPS Nouvelle Génération et s'engage à soutenir le processus de transition pour une paix durable au Tchad.